À la mémoire de Xavier Jugelet, victime du terrorisme, une centaine de policiers en civil des Champs-Élysées. Venus déposer quelques fleurs et se recueillir, ils expriment aussi leur dégoût. Car cette plaque désormais nettoyée a été vandalisée samedi dernier lors de la manifestation des Gilets jaunes. Pour eux, c'est un geste inacceptable. Là, ils ont porté atteinte à la mémoire d'un policier qui est tombé pour lutter contre le terrorisme. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Franchement, c'est l'acte de trop, celui-là. Des policiers choqués aussi par les affrontements de samedi. Pour y répondre, le gouvernement a annoncé un changement de doctrine du maintien de l'ordre, plus de moyens, de nouvelles techniques. Des policiers en colère aussi contre la politique de leur hiérarchie ces derniers mois. Pour eux, le limogeage du préfet de police de Paris par le ministre de l'Intérieur est tout sauf une surprise. De nouveaux rassemblements de gilets jaunes sont prévus ce samedi à Paris. Les policiers espèrent cette fois que le dispositif policier sera plus efficace. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.